Bien beau. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Maman les copines. Maman Africa Maman Africa. Oh oh, je vous aime. Coucou, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi je dis Dieu merci. Parce que c'est lui qui donne. Voilà. J'ai essayé de commencer à parler à l'extérieur, mais j'ai trouvé qu'il y avait un tout petit peu plus de vent et puis vous ne m'entendez pas bien parce qu'il y a du vent qui fait du bruit, mais c'est pas grave. On va parler par ici. En fait, ma copine, j'ai discuté avec elle, elle essayait de me raconter qu'elle a... Et là, une personne qui lui a dit, ben, ce n'est pas à l'âge des 40 ans que tu peux réaliser des choses. Les gens, les choses se réalisent à 20 ans. Tout ce que tu n'as pas réalisé, tu ne peux plus le faire. Hein. Il faut maintenant t'occuper de tes enfants et rester tranquille, quoi. Cherche-toi un petit boulot et puis voilà, tu restes tranquille, tu te reposes. Non. Moi, je me suis dit, non, c'est pas possible ça. Elle dit la même chose. Elle dit, ce n'est pas possible. C'est aujourd'hui que je me sens prête. C'est aujourd'hui que j'ai envie de créer mes entreprises. Et je suis très motivée. Je suis au taquet. J'ai toute ma force, mon courage. Et puis, mon mari me soutient. C'est aujourd'hui que je dois me lancer. Et moi, je pense que je suis très d'accord avec toi, ma belle. C'est aujourd'hui que tu te sens à l'aise. Alors, lance-toi et ne lâche rien. C'est que tu n'as pas pu réaliser quand tu avais 20 ans. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment eu peut-être de la chance ou tu n'avais pas cette présence d'esprit ou tu n'avais pas cette maturité que tu as aujourd'hui. Il y a des choses qu'on pourrait réaliser quand on est plus jeune, surtout quand on est bien entouré et quand on a des possibilités et on n'a pas tous la même possibilité, on n'a pas toutes les mêmes chances ou bien des occasions pour pouvoir réaliser des choses. Parfois, quand on n'a pas réalisé les choses, quand on était jeune et on arrive à un certain âge, on s'est dit non, je ne peux plus les faire. J'ai mon nez qui fait comme ça ici, là. Ça fait tuc, 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 tuc. Mais bon, ça, c'est pas grave. Peut-être que j'aurai une très bonne nouvelle. Et Dieu, j'espère que ça sera une bonne nouvelle. Et Dieu merci. C'est ça ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, mes besties. Réveille-toi. Tous tes rêves que tu as, maman, commence à les... Je t'ai déjà dit dans une de mes vidéos, commence à les mettre sur papier. Réalise ça. Réalise, les gens qui te disent que ce n'est plus l'âge que tu allais les réaliser avant, ils sont en train de te tromper. Parce qu'aujourd'hui là, même une personne qui a plus de 40 ans, même qui a 50 ans, je connais une dame qui aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Dis-moi, elle est devenue chef d'entreprise à quel âge? À quel âge elle est devenue? Parce qu'elle a déjà ses enfants qui sont déjà grands. À 53 ans, on peut déjà être mamie, hein? Mais c'est là à 50 ans qu'elle a commencé à retourner à l'école. Parce qu'elle avait un rêve en elle. Elle voulait créer quelque chose pour elle. Et même peut-être avant, peut-être qu'elle voulait travailler pour les autres. Et plus on grandit, plus on prend en âge, on peut avoir envie de faire quelque chose pour soi. Ou si peut-être on a marre de travailler pour les autres, ça peut arriver à un moment de la vie, on se décide et on veut créer quelque chose pour soi. Et moi, je pense que ça peut être possible et c'est réalisable. Si tu sens vraiment cette envie, même si tu t'es dit que tu n'as pas vraiment tous les moyens pour réaliser, sois d'abord sûr que ce que tu peux faire peut vraiment être grand et tu peux même être étonné de la réalisation des choses. Il ne faut pas baisser les bras. Tant que tu respires, tant que tu marches encore, sois sûr que tout est encore possible. Tout est encore possible et je ne comprends pas. Je n'arrive vraiment pas à comprendre les personnes qui sont juste capables de te dire « Non, tu ne peux plus faire ces choses-là. Va seulement chercher un petit travail. » Non, tu ne vas pas dire ça à une personne quand même. Si la personne te dit qu'elle a vraiment envie de créer et tu vois que la personne respire, elle est encore en bonne santé, elle a toutes les possibilités pour le faire. La moindre des choses, c'est d'encourager cette personne parce que oui, c'est possible. Elle ne sera pas la première, elle ne sera pas la dernière et elle peut encore réaliser beaucoup de choses. Mais bestie, vous aussi aujourd'hui, je suis en train de vous parler là et je vous regarde. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de créer un produit, vous avez envie de créer une chaîne, de créer votre page, de créer un blog, mais vous pensez que vous n'êtes pas capable, bien sûr que vous êtes capable. Les gens qui les font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont de spécial que vous? Rien. Ils ont juste le courage de se lancer. Ils ont juste fait un pas. Et peut-être quand ils ont lancé un pas, maman, ils n'avaient pas tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Allez-y, faites des choses. Regarde-moi, je suis en train de vous parler sur ma vidéo devant là. C'est pas grand-chose. Mais au moins j'ai le courage de les faire. Et toi qui me regardes, tu te demandes, ah, comment je peux faire aussi pour faire comme Maman Afrique? Je te dis, hein, tu peux juste les faire et tu peux les faire encore mieux que moi. C'est juste à toi de choisir et de décider. Peu importe les choix que vous allez faire, vous êtes capable de les réaliser. C'est juste d'assumer ce que vous faites jusqu'au bout. C'est très important. Et si vous êtes là tout le temps à décourager les autres, s'il vous plaît, cherchez-vous aussi des choses à faire. Cherchez-vous aussi des choses à faire. Si vous pensez que vous êtes déjà à l'âge où vous pouvez rien réaliser, bien sûr que vous pouvez réaliser. Même si vous avez déjà essayé plusieurs fois, vous n'y arrivez pas. Peut-être que c'est aujourd'hui votre chance.
Eh oui, toi, je te parle. C'est peut-être aujourd'hui ta chance. C'est peut-être ta chance aujourd'hui. Ne lâche pas cette chance. Essaye, même si tu vas commencer par le niveau le plus bas. Mais sois sûr que le niveau le plus bas là que tu vas commencer va te faire arriver au plus haut. Parce que tu as un rêve, parce que tu as ta détermination et tu as vraiment l'envie de faire les choses. N'hésite pas aussi à aller vers les autres. Et quand tu crées ton entreprise, n'hésite pas à faire un pas. N'hésite pas à proposer aux autres, à leur dire aide-moi, faites ceci. Et si les personnes n'arrivent pas vraiment à te retourner de l'aide, essaie de fournir toi-même des efforts. Ou bien d'aller apporter de l'aide aux autres pour que cette aide puisse revenir vers toi en retour. Si tu as créé ta propre marque, si tu as créé ton produit, n'hésite pas à aller proposer d'autres personnes. Donne même des choses gratuitement. Donne même des choses à des prix trop bas pour que ta marque puisse monter, pour que ta marque puisse avoir vraiment de la place. Lance-moi ce business, je ne cesserai jamais de te rappeler. Je ne vais pas te voir là tous les jours. Oh là là, moi je ne peux pas réaliser ça. Tu te mets à genoux. Mon Dieu, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. Mais tu ne fais rien pour que ces choses soient réalisées. Je pense que Dieu ne va pas descendre de là-haut pour venir faire ce que toi tu dois faire. Tu lui demandes de l'aide, mais toi aussi tu dois fournir des efforts. Tu dois faire quelque chose aussi. Tu dois agir, tu dois te bouger. Bouge-toi! Parce que ce n'est pas en restant là tout tranquille, en regardant tous les jours sur les réseaux sociaux. Ah, comment je peux faire pour faire ça? Ah, comment elle arrive à faire ci? Ah, comment elle arrive à faire ça? Non, elle n'a rien de spécial que toi. Elle a juste sa spécialité en elle, que toi aussi tu as en toi aussi. Tu peux le faire. Tu peux le faire, même si tu penses que ton âge a avancé, tu penses que tu ne peux plus le faire parce que tu es marié, parce que tu es ici, parce que tu es là, parce que tu n'as pas fait des études. Tu peux toujours le faire. Si tu n'as pas eu la chance de faire les études, tu peux aussi les faire. Je te le répète plusieurs fois. Il faut que tu te bouges. C'est à toi-même de décider. Les limites que tu forces, c'est toi-même qui porte, qui met ces limites-là. Tu dois y aller. Tu as déjà essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Alors refais et fais encore. Tu as déjà essayé, ça ne marche pas. Et change de méthode. Regarde comment les autres font. Essaie d'adapter ce que toi tu fais en voyant ce que les autres font. Je ne te dis pas d'aller copier ce que font les autres. Non, mais regarde ce que toi tu fais. Pose-toi la question, pourquoi ça ne marchait pas? J'aimerais faire comme tel, mais moi ça ne marchait pas. Qu'est-ce que la personne l'a fait pour que pour elle ça marche? Est-ce qu'elle donne tout son temps? Est-ce qu'elle essaie de soutenir les autres? Est-ce qu'elle essaie d'aller vers les autres? Et toi tu essaies de les faire. Ah, il y a mon œil là, ça m'embête un peu, mais bon. J'espère que ça va marcher. Et je vous encourage, mes besties. Parce que le monde d'aujourd'hui, si tu dors, les autres vont se réveiller et toi, tu vas rester dans ton lit. Si tu ne sais pas réaliser tes choses, les autres vont les réaliser pour toi. Et je vois toujours les gens qui écrivent, qui disent ceci. Mon œil, ça clignote. Vous me direz, ça veut dire quoi? Quand l'œil clignote là, ça clignote par ici. Vous me direz, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Vous voyez, quand je vois toujours les gens qui écrivent, ah, si tu ne veux pas réaliser tes rêves, les autres vont les réaliser pour toi. Et ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ne pense pas que les gens qui créent des entreprises, ne pense pas que les gens qui créent des marques, des produits, ont quelque chose de plus que toi. Non, la seule chose qu'ils ont, ils ont fait un pas. Ils ont dit, ok, j'y vais. Si ça réussit, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mon fils, ton amour, j'ai fini de lui donner à manger. Là, je vais lancer une machine et puis essayer de ramasser les habits que j'ai mis à sécher à l'extérieur. Et on va y aller parce que j'ai envie d'aller acheter à ma fifi d'amour une casquette. Sa casquette qu'elle avait, elle a cassé les trucs de derrière. Je n'arrive pas à bien fermer. Ça ne ferme plus bien. Et comme elle est au centre aéré, il faut lui donner une... J'essaie d'installer la caméra là où je peux continuer à faire ce que j'ai fait. Il faut que je l'achète une casquette pour pouvoir... être tranquille au centre aéré avec le soleil, il joue dehors, il court partout. Aujourd'hui, elle est partie avec sa casquette qu'elle a cassée déjà derrière. Il faut que j'achète l'autre. Oh, les enfants, qu'est-ce qu'ils ne vont pas nous faire faire, hein? Je serai obligée d'aller courir avant, les récupérer, et puis je lance d'abord une machine. Pour ça, quand je vais rentrer de là où je suis partie, je pourrais mettre les habits à sécher et puis je pourrais plier les habits que je vais ramasser là tout de suite. Et le temps sera rentabilisé. Et comment allez-vous? Comment vont vos enfants? Aujourd'hui, je me suis dit, je commence d'abord par papoter parce que j'avais vraiment envie de parler avec vous de ça. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez que ça vous intéresse. Vous me mettez en commentaire, vous me dites ce que vous pensez. Parce que voilà, il faut qu'on essaie de s'encourager. On ne peut pas juste être là à se descendre et tout. Non, il faut qu'on s'encourage. Tous ensemble, on va aller plus loin.
Vous, vous êtes mes besties. Pour moi, je vous considère comme ma team. Et si j'ai quelques mots d'encouragement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ne me coûte rien de prendre ma caméra. Ça me fait juste du bien de savoir que je partage avec vous. C'est ça. Ça me fait du bien, du bien. Et là, ça va. Hop là! Là, ça m'embête parce qu'il y a quelque chose qui est juste là derrière. Et du coup, je vais déplacer ma caméra. Je le mets là. Ouais, là, je pense que c'est bien. J'espère que ça ne va juste pas tomber. Parce que si ça tombe, ça sera vraiment dommage. Mon outil de travail. Ma caméra, je ne peux plus m'en séparer. Ça me procure tellement de bien que je ne peux même plus m'en séparer. Je suis sortie un peu avec mes fifi d'amour. J'ai déjà récupéré ma grande qui était au centre aéré. On va aller choisir un peu des... sa casquette, parce que la casquette qu'elle avait avant, elle a cassé derrière, comme je vous ai expliqué les matins. Je sais pas si je vous l'ai dit même les matins. Et là, elles sont en train de profiter des joueurs un peu là-bas. Vous voyez, elles sont en train de jouer. Après, on va rentrer pour aller choisir. Je vous montrerai après ce que j'ai choisi comme casquette et ce que j'ai choisi comme brassard. Je sais même pas si on va acheter des brassards parce que j'avais vu qu'il y en avait dans la maison. Demain, elle aura une journée piscine et c'est comme ça. Bonjour. Oui. Et on y va? On y va ensemble? Les filles, on y va? Descendez, descendez les filles. On y va? Ah ben non, mais tu verras qu'on va sortir. Elles veulent rester pour jouer. Quand elles arrivent ici, elles montent directement sur ces jeux ici. Je sais pas si vous avez aussi des choses comme ça quand vous allez à votre supermarché. Ne touchez pas, vous n'avez pas les droits. Allez, on y va? On y va les filles, on y va. Mais c'est en plus, c'est à l'entrée. On va choisir des chapeaux là parce que je ne sais pas si on va trouver des casquettes. Tu veux des casquettes? Allez, on y va. On va faire les tours alors. Pour voir si on trouve des casquettes. Ah ouais. Non, ce n'est pas pour ça qu'on est venu. Elle commence à regarder les petits sacs là. Parce qu'elle a vu la reine des neiges. Elle aime beaucoup la reine des neiges. Non, ce qu'on va chercher, c'est des casquettes. Et aussi une bouée. Comme elle va aller à la piscine avec les centres aérés. C'est quoi ça? Non, ça sera pour chez nous. Avec les centres aérés, je préfère qu'elle y aille vraiment bien équipée. Quoi? Ben non, mais si vous regardez trop la pub, c'est pas bien. Hein? Allez, venez par ici, on va trouver. Ah non, ici c'est des culottes. Mais il n'y a pas des bouées par ici. Attends, on va aller voir de l'autre côté. Mais nous aussi, on est venu au supermarché pour. Je pense qu'on va être obligé d'aller chez DPAM. Je voulais venir par ici parce que chez DPAM, d'habitude, il n'y a que des chapeaux et il n'y a pas de casquettes. Ma chérie, viens. Viens ici, on va voir. Juste vous montrer les petits chapeaux que j'ai acheté à ma fifi d'amour. On cherchait des casquettes, une casquette en reine des neiges. C'est ce qu'elle voulait, mais on n'a pas trouvé parce qu'elle a une bouée. Attends, je vais vous montrer la bouée. Je sais pas si c'est... Non, ce n'est pas une bouée. Elle a des brassards, voilà. Elle a des brassards comme ça, reine des neiges. C'est ce qu'elle va porter demain à la piscine. Parce qu'au centre aéré, ils ont une journée piscine. Je voulais acheter aussi une bouée pour qu'elle puisse vraiment être bien protégée. Mais on n'a pas trouvé. Je lui ai juste pris des brassards. Je pense que ça va aller. Parce qu'elle est très à l'aise dans la piscine. Bon, elle n'est pas encore très très bien âgée. Mais bon, elle se débrouille quand même très bien. Et puis, je n'ai pas trouvé des casquettes. Mais je lui ai pris ses chapeaux. Je pense que ça va bien l'aider... contre le soleil, moi je trouve que c'est joli avec des tailles là en nez de papillon. Elle aime, c'est elle-même qui a choisi. Ma grande, c'est toujours mieux que ce soit elle qui choisisse parce que si elle ne choisit pas, après elle ne va pas porter ou elle n'a pas du tout envie. Mais bon, la petite elle l'a choisi, c'est écrit cool là-bas avec des strass. Bon, ça ne descend pas ou monte pas, mais il y en a quand même de ces camps là. Elle, c'est ce qu'elle a choisi, ça ferme un peu derrière comme ça. Avec des scratchs. Parce que la casquette que ma fille avait avant, c'est la casquette qui s'est vite cassée. Parce qu'il y avait les trucs qu'on fait entrer les petits boutons dans les petits trous. Et ça s'abîmait très vite. Mais bon, on a réussi à trouver ce qu'il faut. Du coup, demain, ma fille va passer une très belle journée. Elle va aller à la piscine et ça sera génial. Et je vais trouver un moyen pour occuper aussi sa soeur. Et moi, je suis trop contente, franchement, mes besties. Je vous aime. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie ce soleil qui frappe sur mon visage. Mais j'adore.
Vous êtes tellement adorable. Vous me dites que je vous apporte de l'argent, mais vous ne savez pas ce que vous m'apportez. Je profite en même temps de faire dormir mon fiston d'amour qui est là. Il est attaché là. J'essaie de faire un tour pour lui faire dormir parce que ses soeurs, je les ai déjà lavées, données à manger. On a déjà prié, on a déjà lu. Elles sont dans leur lit. Mon mari n'est pas encore rentré. Aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup de travail. Hein. Et qu'est-ce que je vais vous souhaiter aujourd'hui? Je vous souhaite tout le bonheur, en fait, ça vient de tout mon cœur. Je veux que vous puissiez tous réussir, que vous puissiez réussir dans tout ce que vous faites, que vous puissiez avoir beaucoup de bonheur et beaucoup de compréhension, surtout dans vos relations avec votre famille et tout. Que Dieu vous apporte beaucoup de joie, surtout de joie, de bonne humeur dans votre cœur, dans votre vie. Sentez-vous à l'aise, vivez, profitez de la vie, apportez du bien, apportez du bonheur. Apportez du bonheur. Faites toujours les grèves des mauvaises paroles et donnez que des bonnes paroles. Vous allez voir. Et je souhaite que Dieu vous apporte de l'élévation, que vous puissiez être élevé, que tout ce que vous faites puisse vous produire du bonheur, que tout ce que vous faites puisse avoir beaucoup d'impact sur votre vie. Parce qu'on dit quoi? L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alors, confiez tout. Oh, très haut, parce que l'Éternel va vous donner tout, 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 tout. Je vous aime et je vous dis quoi? Au revoir, Maman Africa. Vous savez pas comment mon fiston d'amour me regarde? Maman Africa, Maman Africa, Maman. Mon fiston d'amour, quand je chante, quand je parle, il est là, il me regarde.